Hop, on n'oublie pas de démarrer. Oh, c'est bon, il est à jour. Il est à jour. I don't want to set the world on fire. I just want to own black people in my house. Ça va, c'est une petite crotte de nez au peuple américain, ça va, je fais ce que je peux. Ok, allez, c'est Tipar. Je voulais le mettre de paix au moment où tu fais la voix de demi. Au moment où tu as fait la voix de demi. Quoi? Demi Moore? J'ai pas fait la voix de Demi Moore, si. Où est-ce qu'on en était par contre, merde? C'est quand la dernière fois que j'ai save? J'étais là ou pas? 1h27 en plus, je crois que c'était que des tests. Il me semble, je crois que j'étais là. Ah, de démon, d'accord, ok. Attends, tu sais quoi, faut limite que j'aille voir dans mes anciens streams. Attends, je regarde où j'en étais parce que sinon je vais faire une connerie. Je vais faire une connerie! Fallout. Je suis désolé, hein, c'est un début catastrophique de stream de Fallout 4. Mais ok. Ah oh, putain, oui, c'est quand j'avais pété mon bol à pinout. Quand j'avais pété mon bol à pinout, putain. Ta gueule, Russiel. J'étais déjà malade à l'époque en plus. J'étais où alors? J'étais à Diamond City. Donc, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Yes, impeccable. Donc normalement, il devrait plus y avoir de problème. Vous vous souvenez, à un moment, il y avait des lags et tout. Il y avait des problèmes d'encodage. Normalement, il devrait plus y avoir aucun souci. Donc, au peuple américain, il n'y en a pas de peuple américain, c'est que les immigrés. Oui, bah oui, du coup, les immigrés représentent le peuple américain, comme les immigrés peuvent représenter le peuple français, Spider. C'est quoi ces considérations nationalistes, là? Tu serais pas un peu d'extrême droite, toi? Ah, alors... Attends, j'entends pas. Attends, je coupe 2-3 trucs parce que j'ai encore mes émulateurs d'ouvert et tout. C'est n'importe quoi, ce stream, mec. C'est n'importe... Tant qu'ils sont pas communistes, mais voilà. C'est bon. Là, je suis sûr que tu suces des gros chibrax. Franchement, je suis pas pédé, mais 5€, c'est 5€, mec. Je vais augmenter tous les sons, histoire d'être bien tranquillos. Voilà, et augmenter le son aussi du jeu au maximum. Voilà, normalement, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Eh ben, on avait à faire qu'on devait retourner sur l'île pour faire... Oh putain, j'ai oublié que j'avais ça. Oui, j'avais quoi comme arme, du coup? Alors, attends, j'avais quoi comme arme sur moi? C'est quoi, mon Pip-Boy? Il est génial. Il y a une pin-up et tout. Oh, il est sympa, ce Pip-Boy, ouais. Alors, sur moi, j'ai Adwim, la MG42, tout va bien. Marsouin, qui est une putain de Gatling fusil de chasse. C'est n'importe quoi. J'ai Momo, calibre 50. J'ai Skadur, qui lance des pieux. Spider qui est anti-matériel, Chubby lance-roquette et Yeitso qui est mon fidèle crochet à poisson. Je suce pour un Oba Boba sans problème. Franchement mec, j'irai jusqu'à te comprendre. Attends, faut voir, je vais sortir un peu Momo, tiens. Il est où Momo? C'est lequel Momo? Putain, il est où Momo? C'est 5? Momo c'est 5, ok. Il me faudrait du calibre 50, pourquoi y'a personne ici? C'est moi ou y'a Son Père dans la... Bah non, si, y'a des gens. Et pourquoi il y a personne qui vend des trucs là? Attends, du coup, je vais attendre un petit peu. J'aimerais bien acheter des munitions. Une couille de mammouth, poteau. Putain, ce que je ferais pas pour une couille de mammouth. Ah oui, on était à 2h de l'ouverture. C'est normal. Ça, mon petit chien. Putain, c'est énorme en plus. J'avais pas vu qu'il y avait un genre d'illustration. C'est énorme. Attends, je change la taille. Putain. Voilà, maintenant ça devrait jouer sans montrer normalement. Putain. Ah mec. Arturo, on vient juste à porter. Je vais claquer, vous allez me faire claquer avec ces conneries. Filme-moi ce que t'as en calibre 50, Arturo. 50 caliber. J'ai pas mal d'argent en plus. Hop, et voilà, parfait, impeccable. Ça suffit. J'ai 8€ sur mon compte, ça a coûté 1,50€, je vais crever. C'est le prout le mieux enregistré de l'histoire des proutes. Bah, j'ai acheté du calibre 50, qu'est-ce qu'il te faut? .50, tu te fous de ma gueule? Ah, j'ai pas validé, putain, quel con. À chaque fois, j'oublie ça. Bon, eh, on joue toujours notre belle Roberta. Toujours aussi belle, toujours belle, comme au premier jour. Magnifique.
Et il est là, notre petit Dog Meat, qui ressemble à rien du tout, mon gars. C'est un genre de bête de Gévaudan mêlée à un rat de scorpion, ça n'a aucun sens. Mais on a beaucoup de respect pour lui. Ouais, bonne nuit, mon petit pseudo, va te faire enculer toi aussi. Bonne nuit. Gros bisous. Oui, j'ai pas acheté le 50 caliber en fait. Fallait faire. Voilà, impeccable. Et là, normalement, mon Momo, il est gonflé à bloc. Voilà. Tac. On enlève la poignée, on la remet. Ouais, il fallait recharger deux fois apparemment. Je sais pas. J'ai toujours cru que le maire n'était qu'un vantard. Ouais, c'était un fils de pute. Ouais, donc la dernière fois, on avait éclaté le maire. On l'avait, mais enculé, c'était n'importe quoi. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on avait fait, parce que je crois que le jeu, il ramait à moitié, non, encore. Alors, rite de passage, jeter de la viande dans l'eau. Trouver du whisky. Donc, je crois que les autres trucs, c'est principalement pour... ouais, il faut retourner à Far Harbor. Qu'on se remette un petit peu dedans. Parce que oui, on était à Far Harbor. On était en train de faire le DLC Far Harbor. Qui est très très joli d'ailleurs. C'est un très joli DLC. Très sympathique. Et on avait fait que dalle, je crois. On avait juste foutu le bordel. J'avais buté la moitié de la ville, je crois, pendant le premier assaut contre les hommes crabes là. Et ensuite, que dalle. Allez, on va utiliser un petit peu Momo là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme quête ? Rite de passage, jeter la viande dans l'eau. Eh bah écoute, on va aller faire ça. J'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai aucune idée d'où c'est d'ailleurs. C'est où ? Est-ce que c'est loin ? C'est extrêmement loin. On va se taper là-bas parce que... Hein, non, je peux pas. On va se taper là-bas alors. Port lointain dans la langue de Bertrand Cantat. Dans la langue de Bertrand... Il a buté un chien ? Non, il a buté un lapin. Ouais, je m'en fous alors. Mais est-ce qu'il a buté un lapin avec un lance-pieux, ce con ? Qu'est-ce que c'est, ces conneries, là ? Et allez, mon gars, ce stream, il va péter de tous les côtés, ça va être n'importe quoi. Retirer marqueur, allez hop, on y va à pied. Oui, Canigou ? C'est marrant, j'avais eu l'impression d'avoir la même voix que Benoît Poulvord. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, mon chien ? Tu vas où ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Et ça que t'as trouvé, il y a quoi dedans ? Un steampack et un Radix. Oh, c'est gentil ça. C'est bon les Radix. Surtout les Radix noirs. Ils sont un peu plus piquants que les Radix normaux. Je dis pas que les Radix noirs sont pas normaux. Hein. C'est juste que voilà. C'est vraiment pas la fête, la maladie là. C'est toujours la fête quand on joue à Fallout, mais avec une bronchie, je te promets que c'est toujours plus... Toujours plus de hits. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi je brille ? Pourquoi je brille ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ah ! Allô ? Putain de raciste, je suis pas raciste. Ça sert à rien, c'est qui là ? Qu'est-ce qu'il foutait ce con ? T'as pas du calibre 50 sur toi ? Oh ! Il a un AR-51. Sur quoi il tirait là ? Y'a quoi ici ? Vous êtes qui vous ? Qu'est-ce que vous foutez ? C'est marrant, il y a un genre de combat entre des moches et des moches. Ça me rappelle le conflit israélo-palestinien, tout ça. Je sais pas si je suis censé le dire ou pas. Je sais pas si c'est répréhensible. Les gars, si jamais je vais en taule, vous viendrez me voir ou pas ? Vous pourrez me payer au moins une PS1, s'il vous plaît, quand je serai en taule. Avec un peu de chance, je serai à côté de Finkielkraut. Ok. C'est quoi ça ? Y a des trucs qui bougent là. C'était quoi ? Un rat de lapin ? Qu'est-ce que c'est ces conneries là ? Mais c'est un lapin normal ! Pourquoi il est rad ? Oula ! Freestyle là. Poteau Balkany, y a 86% de fraternité entre Momo et les meufs et Balkany. Ah bah tu m'étonnes. Essayer d'être à côté de Balkanouille. Ah bah ouais. Le pauvre, il se sent à l'étroit. Mais il a pas été... Ils ont pas payé ça, comment on dit Putain, je me souviens plus du nom. Enfin, ils l'ont bail, quoi, non ? Ils ont pas payé un truc ou je sais pas quoi ? Et en gros, Balkany, il va plus ou moins sortir de tôle ou je sais pas, j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé. Mais je me souviens juste que c'était marrant. Attends, je vais virer ma lampe parce que... C'est quoi ce bordel ? Vous avez entendu ?
Il y a eu des bruits de malade là, c'était quoi? C'est quoi? Et allez, ça lâche des caisses. Qu'est-ce que vous foutez? Bah alors? Ça tire sans demander à Ruru? L'autre, Canigo, il est parti bouffer un mec? Ouais, non, je m'en fous, non? Ouais. Ouais, bon, on verra bien ce que ça fait. C'est quoi? Il y a un truc qui me tire dessus là. Oh putain, un Lophus albinos légendaire! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi un Lophus? Ah, c'est un genre de. Comment on appelle ça? Une lamproie! Une lamproie! Excusez-moi. Exterminator Type 76 C Chinese Anti-PI Rifle. Oh la vache. Ah, c'est un deuxième Spider. Mais il sera forcément moins bien que le nôtre. Déjà incarcéré à l'issue de sa première condamnation pour fraude fiscale, c'est donc depuis la maison d'arrêt de santé à Paris qu'il a pris cette deuxième condamnation à 5 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Ah ouais, quand même. Le mec, il arrive à se trouver de nouvelles condamnations alors qu'il est déjà en taule. Tu sens que c'est un artiste quand même, le mec. Il est intéressé par ce qu'il fait, quoi. Quelque part, c'est beau à voir. Il y a plus de gens comme ça qui aiment leur craft. Oh putain, la raclure, quoi. Oh, une belle raclure. Et c'est quoi, c'est pas Netanyahou qui a été aussi. Il détournait de la thune, je crois, depuis je sais pas combien d'années. Je crois que c'est Netanyahou. Recharge, Michetons. Recharge, Michetons. Merde. Recharge, Michetons. Recharge. Je tire comme une merde. Tac. Mange ça en ta gueule. Tu l'as eu, Minou? Yes. Minou. Mec, il appelle son chien dévastateur Minou. Mais ça tire pas droit, cette connerie, ou tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est, là? Oh. Attends. Chonk. Mais. Non, mais attends. Bon, bah, lui, il est mort. Bon, là, d'accord, c'est moi. Je sais pas viser, dis. Mais je fais ce que je peux, dis. Ah bah si, là, je l'ai eu, mais c'est juste que c'est de la merde, en fait. Attends, je vais me battre avec Yetsu. Tac. Mange ça. Toi, viens là, toi. Ah ouais. Tiens. À coup de Québécois. Tiens. Ah, putain, mon bras. Tiens. C'est de la merde, c'est de la merde, cette arme. Ok, attends, je vais me healer. Where is my master shooter? Bah, je fais ce que je peux. C'est pas facile, c'est. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire tout seul, dis. Alors, où est-ce qu'on en est là? On est où là? C'est dégueulasse ici. C'est pourquoi il y a du gaz de prout partout là. Ah mais je suis déjà venu ici. C'est moi qui l'ai éclaté même lui. Je crois que je suis déjà venu ici. Oh, c'est quand même beau. C'est quand même beau visiter l'étranger, hein. T'as encore trop bu depuis quand, Pierre, hein? Madame. Les dauphins, ils sont éclatés. Mais c'est pas des dauphins, c'est des... machin, là. Oh, putain, la vache! Oh, la vache, les grenades! C'était quoi, ça? C'était quoi, ma grenade, mec? Les murènes. Je les ai tous trigger. J'ai lâché une caisse. Ça a trigger tout le monde. Attends. Mais des murènes, ça existe pas, des murènes. C'est soit des musaraignes ou des musaraignes ou des murènes. Mais pas des musaraignes. On va des murènes. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Attends. On dit soit des murènes, soit des musaraignes. Mais pas des murènes. Voilà, c'est ça que je dis. On peut tromper mille fois. Non, attends. On peut tromper une fois. Non, mais c'est, je sais plus. Alors, c'est quoi? Mais c'est quoi? Il y a plein de trucs qui brillent partout, ça m'énerve là. En plus, j'ai l'impression de faire du. De me répéter dans là où je vais, parce que attends. On va prendre de risques. Pouf. Ah, bon, voilà, ça peut faire poffer plouf. Tant pis. Non, c'est, on dirait des genres d'orques. Ou des dauphins, des rats de dauphins. Je sais pas. Mais qui ce con? Mais qui toi? Mais qu'est-ce que tu fous? Le Toubib m'a demandé d'assister, alors j'assiste. Bah mais déjà, le...
le ton un petit peu, voilà, agressif. Non. Et ensuite, c'est quoi? Faut faire quoi? Oh, mais non, je veux pas boire. Putain, mais quel con. Faut jeter de la bidoche, c'est ça? Putain, il était paumé dans l'histoire, les bébés. Je sais pas ce qu'il foutait là, lui. Faut que je jette de la bidoche ici, c'est ça? Non, qu'est-ce qu'il faut que je foute? Je crois que j'ai de la bidoche sur moi. Attends, je dois avoir de la bidoche. Ouais, bisous les tétracouilles. Merci d'être passé, poteau. Story items. Fuck. Bah, mais bon. Hein? Qu'est-ce qu'il faut que je foute ici? Il faut que je lâche de la bidoche, mais j'ai aucune idée. Aucune idée quel type de bidoche en fait. Il y avait une quête, mais j'ai total forget. C'est dans les story items, de toute façon, c'est obligé, non? J'ai l'impression que story item c'est surtout des codes etc quoi. Attends, fais voir. Données, rite de passage. Afficher résumé. Pour pouvoir faire la danse du captain, je dois me rendre à la jetée des maîtres et mettre de la viande fraîche dans l'eau afin de la rendre dingue la faune locale. De la viande fraîche. Et où ça? Là, de la viande de lapin, ça passe ou? Fais voir, attends, soin. Non, c'est dans quoi? Si, c'est dans soin. J'ai pas récupéré de la truc de lapin tout à l'heure, là. Bric à brac. Non, y'a rien. Bah merde. Si je lance des carottes, c'est chaud ou pas? Allez, je vais lancer une carotte, ça se trouve, ils aiment bien avec leur viande. Et tiens, je vais foutre des chips. Une petite brochette. Non, le ouin, je le garde. C'est bon, là? Eh, j'ai mis des chips quand même! T'as un écureuil sur un bâton, mais j'ai l'impression que ça marche pas les écureuils, mec. Non, ça marche pas? Il est pas de la viande sur lui, par hasard. Il est où? Où est-ce que je l'ai buté? Squirrel Beats. Ça, c'est plus ou moins de la viande fraîche, non? Donc, à mon avis, ça doit passer, mais. Attends, on va pas se laisser emmerder par un jeu vidéo quand même, ce serait bien que trop. Morceau d'écureuil, Squirrel Bits. Mais non, pas ça, ça. Mais s'en vont mes Squirrel Bits. Attends, si je les fous là, ça va ou quoi? Ça a rien déclenché, hein. Va voir lui là, attends. Si je le découpe en morceaux, peut-être que ça va aider, non? Attends, fais voir. Ah, il est frais! Il est frais, mon pécor! Putain, mais en plus, il est en Kevlar. Attends. J'ai rien à lui couper des bouts, mais j'arrive pas. Oh! J'ai encore lâché une caisse dans l'eau, ça m'a fait peur, mec. J'ai lâché une grosse caisse dans 20 cm d'eau, ça m'a effrayé. Ouais. Et donc? Ah, c'est ma carotte. Attends, je vais reprendre ma carotte quand même, je vais pas me faire un... Pourquoi ça a pété? Bah, c'est parce que j'ai pété dans l'eau, donc... j'ai pété dans l'eau et du coup, ça a fait un boom. Voilà. Voilà où on en est. Bon, bah, du coup, j'ai pas ce qu'il faut, en fait. Il faut de la viande fraîche. Où est-ce que je peux trouver de la viande fraîche? Y a pas de viande fraîche ici. C'est un peu le principe du tout le truc. Attends, on va aller voir là-bas. Ça se trouve, on peut trouver des animaux un peu rigolos ou quoi. Mais ça me paraît très bizarre qu'on puisse mettre n'importe quel type de viande. Ça ressemble pas à Bethesda, c'est quand même des gros gros branleurs. Donc je pense qu'ils ont mis un viande. Je requiers un viande. Tu penses que si tu pètes sur un objet et que ça active le ragdoll, tu peux tuer un mec? Non. Ça active les objets, mais c'est pas assez fort pour buter quelqu'un. Mais oui, ça bouge les objets, par contre. You. J'ai la gorge en feu. De parler comme ça pendant des heures, j'avoue que ça m'arrange pas vraiment, mais... Trappeur critique. Ouais, je trouve pas que ce soit une approche vraiment lacanienne du système de trapping, voyez-vous. Je pense que, quelque part... Attends, vas-y, on va l'éclater, je déteste les critiques, moi.
Déjà, j'ai foutu deux avis sur TripAdvisor, il me laisse pas tranquille le site. Tiens, allez ta gueule. T'aurais pas de la bouffe, toi? Putain. C'est qui me tient dessus? C'est au-dessus, hein? Bon, je sais pas où ça vient, on verra bien. Bois un eau. Ouais, j'aimerais bien me boire un eau. Non, je pense que je vais me chercher un coca, après, ça va me désaltérer. Plus que de l'eau, désolé. Il est où? Il y en a un qui tire d'ici? Tiens, nique ta race. T'aurais pas de la viande, toi? Oh, 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 ce que j'ai mangé! Oh, mais my bones! It hurts my bones! Ok, ils sont à l'intérieur. Laisse-moi sortir l'autre, là. Il est où? Lui, là, lui, je l'aime bien, lui. Ah ouais. Bon, j'ai pris un peu cher. Mais c'était super sympa. Il l'a pris en pleine gueule, lui aussi. Il est où? Enculé! Génial. Excusez-moi. Ça, c'est bon. Et du coup, le reste de son armure, je crois qu'on s'en fout un petit peu. Fais voir. Transfert. Est-ce que c'est mieux? Ouh, le chest piece, c'est bien mieux. Et le truc pour la tête, mais le truc pour la tête, on s'en fout, de toute façon, on la cache pas. File-moi ton chest piece. Ça. C'est ça. Voilà, est-ce qu'on est beau? Oh oui. Oh, sublime. Il y a un côté chic mais choc, comme on dit dans l'industrie de la mode. Et vous avez pas de viande? Il y a pas de viande là-dedans? Ah bah si, Rastagmite, c'est bon ça. Et bah du coup, c'est bon, je pense qu'on peut se casser, hein. Ça n'a pas l'air de se crocheter. Ça, je peux te dire, mon coco, que pour crocheter ça, tu vas ramer. Hein. Il y en a plein ici même, d'ailleurs. Regarde, on va en prendre plein. Voilà, impeccable. Allez, allons-y. Ça s'est plutôt bien passé. Ce jeu est le plus... En fait, le truc, c'est que le jeu est facile, mais à cause du leveling tout pété que je fais, il est de plus en plus dur. Les ennemis, c'est de plus en plus gros sac à PV. Pas problématique, hein, mais j'avoue que je le ressens quand même. Hein. Et d'ailleurs, j'ai 5 niveaux à mettre que j'ai toujours pas mis. Je sais pas trop dans quoi les foutre. Donc on verra ça plus tard. Je me suis regardé Demolition Man sinon et j'avais jamais capté le gros placement de produit. Oldsmobile et Taco Bell Pizza Hut dedans. Ah bah si, mec, non mais si, c'est un truc de fou. Mais de toute façon, tous les films des années 90, tu peux être sûr que. Rad Stack Meat. Hop. Voilà. Tu es l'éléphant jeu. 1. 2. 3. Jeter plus de viande dans l'eau. Bah je vais récupérer celle-là déjà. Oh je peux pas. Oh les enculés. Eh j'ai bien fait d'en prendre plusieurs. Putain j'ai failli me faire niquer. Attends. Rad Stack Meat. Voilà. J'ai lâché les caisses. 1. Ah c'est les rois des fangeux ça. Ah, c'est saloperie ça. On va plus que le reste hein. Mais on dirait plutôt des grosses écrevisses. Mais bon. Tu es la reine. Ah putain, ça la reine. Ça pour la reine, il va falloir que je sorte Chubby. Il est où Chubby? Il s'est barré d'ailleurs Chubby du stream ou pas? Pour une fois que j'utilise. Tac, une. Elle a muté. Tac, une. Et je vais la finir avec Yetsu. Salope. Tac. Ça fait rien. Ah yes. Heureusement que je suis immortel. Erika intensifies. La 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 la. On das heist. Hit machine. Est-ce que je peux me TP directement là-bas maintenant que c'est fait? C'était une des la partie la plus dure de la quête, ça a été trouver la viande. Le reste, ça a été très simple. Chubby, tu es dévastateur. Je tenais à te le dire. Tu es quand même de quelqu'un de comment on dit, expendable, comme on dit. Mais je reste parce que je suis un bro. Oh quel mec. Chubby, t'es vraiment un copain. Quel homme. Alors, faut aller voir l'autre con. C'est bon, je vous ai vu buter vos merdes, hein, c'était facile. Ça si va? Cette bande de bourriques vous fait pas confiance après ça? Ouais, bah ouais. Qu'ils aillent se faire foutre, hein. Bah déjà, on était partis là-dessus, hein. Ils seront un peu plus bavards, maintenant. Qui sait? Ils vont peut-être même vous demander de l'aide. Essayez Mitch, au grand mât. Les grosses Mitch. Je pensais que j'en avais déjà fait largement oh, assez. Oh, le fait qu'on voit sa culotte, mon gars, c'est vraiment... Vous en avez peut-être assez de faire le larbin. Prenez ça. Et...
Ouais, filme-moi, c'est quoi? Oh! Putain, génial! Bon, vous allez m'aider. C'était quoi que je devais faire en fait? Changement de marée. Aider la petite Bertha et les Mitch. Aider le capitaine Avery. Pourquoi c'est optionnel pour lui? Bah attends, mais du coup, si c'est optionnel, je m'en bats les couilles. Les chapales, c'est dans Stargate. Lol. Lol. Bon. Bonjour madame. Ah bah c'est toi, petite Bertha. Madame, il faut que je vous parle. Déjà, tu me regardes dans les yeux. Je veux vous en 14 capsules et demi. Waouh, 14 capsules et demi. Rien que ça. T'aimes bien l'humour? Moi j'adore, mec. L'humour, les blagues sur Toto, les blagues toc toc, qui sait, ta femme elle est morte. Moi j'adore. C'est pas une vie. Si on continue comme ça, on va y passer les uns après les autres. Bah bouge, qui sait, peu de foot. Déjà, pourquoi t'es venu? Si on veut devenir plus fort. Avec Erasmus. Erasmus. Il y a des lignes électriques qui relient la Syrie des Collecques au vieux parc éolien. Ouais, ça c'est bien, une petite fille peut bien savoir ça, ouais. Les gens d'Arbor pourraient brancher les condenseurs et nous débarrasser du brouillard. Voilà, ça me ferait tellement plaisir d'aider une fille de 12 ans. Ils envoient une fillette de 12 ans pour négocier. Il est génial un Demolition Man, mais bon, quand on voit la gonzesse qui dit littéralement que toute la fiche technique de la Oldsmobile est 1970 qu'il y a dans le film et que la caisse remonte dans un concessionnaire Oldsmobile. Bah écoute, évidemment. C'est nul. Mais si vous donnez une nouvelle vie à mes amis, ils feront n'importe quoi. Putain, je m'en fous, quoi. J'ai juste envie de tout cramer. J'espère que t'es au courant. J'espère que t'es au courant que t'es un script de claquer, toi. Alors attends, on va. Putain, j'ai envie de tout. J'ai envie de meurtre. Il y a un truc dans l'air, ça sent le sang. J'arrive. Les blagues toc toc, qui sait, c'est regarde-le bien. C'est Saint-Sébastien, c'est un jour de sa vie de Saint-Sébastien. Je crois que Spider, en fait, t'es vraiment un poète. Il est où le chat que j'avais buté ici? C'est la marinière qui l'a dit. Ne l'embête pas, débile. Attends. Ah bah il est pas là? Non, c'est pas lui. Il est où mon copain le chat? Miaou miaou. T'es où? Miaou miaou. Petit chat. Où es-tu? Miaou miaou. Où est-ce qu'il est, SPD? Petit chat. Putain, ils ont viré mon cadavre de chat. Je passerai pas. Et allez, ça lâche des caisses en boucle. Complètement. Miam miam. Je te jure, tu butes un chat, je me casse. Mais sans, il est même pas là. Si vous avez besoin d'une chambre, allez voir Mitch. J'aurais bien voulu l'éclater, mais il est pas là. Oh putain, ils ont viré le chat. Je l'avais mis dans le four en plus. C'est la marine qui l'a dit. Ne l'embête pas, oui. Et bien sûr qu'elle l'a fait. Regarde-la. Ça, c'est une dure à cuire, une vraie. En plus, il est bien plus fort. Il est bien plus fort que les autres, mec. Ça arrête pas de lâcher les caisses pendant ce stream, c'est n'importe quoi. Je m'en fous, parle-moi. Mitch, ça a chié ça, je tape le check. Je m'en fous. Vous avez un problème avec Avery? Ah, Avery est né sur l'île. Si je peux le buter en stream avec un prout, mec, tu vas me tuer. J'ai mal au crâne, j'ai mal au sinus. Je tousse, j'ai mal à la gorge, c'est génial. Et puis elle arrête pas d'essayer de nous vendre les idées débiles qu'elle a ramenées du continent. Oh ta gueule, espèce de doubleur de mots. Et elle fait plein de choses bien ici. Mais pourquoi changer une formule qui marche? Merci, non merci, c'est vraiment gentil de votre part. Non, merci. Et puis quoi encore? Vous allez me faire croire que vous avez affronté la reine en étant sobre? Avec un lance-roquette, c'est fait. Mais il est con lui. Allez, elle a fait la danse du capitaine quand même. Ton oncle, peut-être? C'est entre ma famille et moi, ça regarde personne. Mais de quoi il parle en fait? J'ai rien compris. Mais on s'inquiète. Ah, d'accord. Vous et votre fierté. Elle est vraiment dégueulasse. Roberta est vraiment immonde. Son oncle a des je suis largué. Ah, mais moi aussi. Mais en gros, j'ai fini un genre d'épreuve de passage pour les gens de Far Harbor. Et là, ils me respectent, donc ils me renvoient faire le larbin. Au moins, il est protégé. Je crois? Ah non, c'est pas ça. Non, en gros, ouais, voilà, attends. Allez, hop, c'est parti. Je veux bien. Il vit dans le vieil. Ouais, en gros, c'est la petite fille qui m'a dit: tiens, tu veux pas installer des condensateurs pour qu'on puisse repousser le nuage. Enfin, le. Comment on dit? Le fog. Et j'ai dit: ouais. Et c'est là a été mon erreur. Ah
Ah, le décès. Le décès est quelque chose de si délicieux. Ah, putain, je sens que je commence à faire de la fièvre en plus. C'est con parce que... Matou était en train de disparaître. Matou était en train... Oui, bah oui, pourtant non, c'est correct. Non, je sais pas pourquoi. C'est en train de disparaître et là, je suis en train de... Non, je suis en train de retomber dedans, là. Ah, écoute, tant pis, hein. Pas comme si j'avais envie de faire quelque chose de ma vie. Yes, le SSD, sinon, hein. On est toujours sur du bon gros SSD. Je pense que la prochaine étape, ça va être l'installer sur un disque dur quantique, parce que là, ça va pas le faire. Mange du miel. C'est vrai qu'en plus, j'ai du super bon miel, je sais pas pourquoi je le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Je suis complètement con, moi. J'ai du super bon miel, en plus, que Pouz m'a filé. Je suis con ou quoi? Le brouillard nous empoisonne. Bonjour. Putain, on voit rien. Bonjour. Que Farahbor n'est pas trop dur avec vous. Ta gueule. Je crois que vous ne devez Molière, mais dur demain. Plus que de la courtoisie de la part des habitants. Ouais. C'est quelqu'un qui. Les habitants de l'île ne sont pas du genre à filer un coup de main. Mais j'ai une responsabilité envers ces. Bien. Expliquez-moi le problème. Notre eau potable. Le miel de Kylotte. Pas loin de la ville. Non, mais pas celui-là. S'est abattu sur nous peu avant votre arrivée. Et elle a endommagé les condenseurs de brouillard qui protègent la route. Donc ça va être la petite partie Ubisoft. C'est réparer les condensateurs, quoi. Bon, allez, on se casse. Merci. C'est vraiment des gros cons, Bethesda. Hein. Ça fait longtemps qu'ils ont pas fait de conneries, d'ailleurs. Je me demande ce que ça va être l'heure prochaine. Je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose. Enfin, à part Fallout 76. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Cherchez donc le Ken, cherchez Howard et sécurisez la Siri. Bah écoute, on va aller sécuriser la Siri. Où est-ce qu'elle est? Et là, bon, on va aller sécuriser cette série-là, tranquillos. Je vais me TP là, hop. Kylotte, fameuse planète de Star Trek. Ouais, tu veux pas claquer, Spider? Retiens ta respiration une petite demi-heure pour voir si tu tousses. Ah ouais, j'aime bien l'hiver, mais bon. En plus, ça passe vite de ouf, t'imagines que genre dans une trentaine de jours, c'est déjà Noël, mec. Et dans un peu plus, on sera en 2020. 2020, mec. Mais c'est le futur 2020. 2020, c'est vraiment le genre d'année, tu vois, que quand tu le dis, tu te dis, je suis vraiment dans un futur disto... C'est un poisson qui flotte. Ah non, il y a de l'eau, en fait. Ah, c'est bien fait, hein. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ah ouais, d'accord, il y avait de la flotte. Je croyais qu'il y avait des putains de poissons qui flottaient, moi. Attends, bouge pas, toi, je vais te pêcher, tu veux être sûr que... Hop. Chonk. Très décevant. Extrêmement décevant, mec. C'est vraiment extrêmement décevant. Ok. Voyons voir. T'imagines les voitures qui volent, les impôts qui augmentent, mon père qui revient pas, ma femme qui se barre. Ça, c'est le futur. Sarchimule dans ta gueule. Mais ouais, mais en plus, il m'a foutu un gros vent, je lui ai tiré dessus avec un lance-pieu, un lance-harpon. Quoi ce délire? Pourquoi j'entends des... J'entends la vie qui me... J'entends les loups. Ah, il veut ça la pena d'aller. Ah, il veut ça la pena dans ça. Une vieille chanson occitane, ça. Que vous devriez connaître. Je suis d'accord pour le futur dystopique quand tu dis qu'on va être en 2020. Et puis pour le futur dystopique de base, d'ailleurs. Entre Google qui peut changer notre humeur comme il veut. Et qui nous écoute avec Google Stadia. Voilà, je lâche des caisses, tiens. Et Todd Howard. Rien que ça, déjà, c'est dystopique. Alors. Ah, il veut ça la peine. Ah, non, allez. Ah, il veut ça la peine. Ah, faut que je sécurise ça, là. Y'a quoi à sécuriser? Ah, mais c'est des petites goules. Marrant. Alors. On va sortir le scadure. Il est où? Chonk. Et merde. Il est chiant ce fusil, il tire pas droit, j'ai l'impression. Et pourquoi j'ai pas de viseur dessus? Genre, c'est complètement con, c'est le seul pistolet du jeu qui a pas de viseur. Enfin, quand tu vises, t'es moins précis que quand tu vises pas, c'est complètement con, non? Enfin oui, c'est complètement con, parce que c'est des game designers de merde. Mais je veux dire, au-delà de ça... C'est vrai que le skate ne tire pas vraiment droit non plus, mais c'est con, j'aurais voulu un gun qui soit un peu plus... Tu vois? Je pense qu'on est dans Fallout, on a accès à plein de modes. On aurait pu se permettre d'optimiser un peu le fictionnel plutôt que rester vraiment dans la réalité accablante de Skadur qui sait pas tirer, quoi. Y'a pas de clé là? Non.
Ay, visala la pena na libre. Ay, visala la pena dans le sang. Ay, visala la pena na libre. Bon, allez. Je vais arrêter de chanter. C'est In Extremo qui chante ça. Un groupe allemand qui fait de la musique celtique. Et c'est vraiment très bien, In Extremo. J'aime bien, moi. C'est pas transcendantal, hein, mais c'est vraiment sympa. Si jamais vous connaissez pas. Après la présentation du Cybertruck, en vrai, ils en seraient capables. Mais il est génial, le Cybertruck. Il y a que, franchement, si tu regardes les gens qui ont pas aimé le Cybertruck et qui disent que c'est bidon, c'est uniquement des grosses lesbiennes ou des grosses moches. Franchement, tous les mecs sont là, putain, il est trop cool. Et t'as 2-3 PD en Sciences Po qui disent, ah non, très peu pour moi. Non, ah non, non, ah non. Moi, je suis plus hybride, déjà. Ouais. Je suis... Bah non, mais attends, il était dedans, là. Il fout quoi, l'arbitre? Tac. Allez, hop. Moi, je suis très... plus Prius. Plus Citroën, quoi. Là, c'est vraiment... Non, 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 non. Le passage des vitres sécurisées. J'ai pas vu, en fait, le stream, mais en gros, ils ont testé les vitres, elles ont pété, non? C'est pas ça qui s'est passé? Le moissonneur. Ouais, mais j'en avais déjà un, je crois, non? On verra bien. On va le ramener à la maison et puis on va le customiser un petit peu. On va ramener le moissonneur à la maison. C'est pour les civils, Spider. C'est pour une utilisation civile, je crois. C'est ça qui est cool. C'est que Elon Musk, il a pas peur de faire des tanks pour les civils. Et il y a aucune chance que ça dérape. Est-ce que c'est bon ça? J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Sécuriser la série des collègues. Non, j'y suis encore. Tant que le brouillard n'est pas dissipé. Il faut que... Hein? Oh. Rien de tel qu'un bon Cybertruck pour rouler sur les féministes vegan à genre. Sans encore qu'elles soient féministes et vegan, tant pis, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est les connasses. Que ce soit homme, femme, enfant, féministe, communiste, utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si ça te plaît pas, je retourne à Pétaouchnoïc, franchement. Peu importe. Du moment que c'est pas des connasses. Qu'est-ce qu'il faut que je sécure en plus là? C'est pas sécurisé. La série c'est tout ça en fait. Peut-être que c'est tout ça. Un Cybertruck pour rouler sur les mecs qui abandonnent leur chien. Franchement ouais là pour le coup carrément. Ça je suis d'accord avec ce statement. On devrait rouler sur tous les gens qui abandonnent leurs animaux. Et on devrait essayer aussi de rouler sur les vieux à la naissance. Comme ça il y a plus de vieux. Eh, c'est tout bénef. Les cheats en plus ils ont vraiment envoyé une grosse boule de pétanque dans les vitres deux fois et deux fois ça a pété les vitres. En même temps c'est fait pour les boules de pétanque. Hein. Ah bah vous êtes là. Tac, ça les cadeaux. Ah, j'adore en tout cas le Cybertruck, il est vraiment super stylé. Le seul truc, bon j'avoue, le seul truc... C'est qu'il a, il a pas, tu sais, les roues en boule comme l'Audi, c'est quoi la R8? Non, la R, je sais plus combien qu'il y avait dans... Merde. Fuck. Je me souviens plus, iRobot, c'est ça, merci Cylindil. Excuse-moi, iRobot. J'étais concentré sur autre chose, j'étais en train de me concentrer sur ce qu'il fallait que je jette. Mais oui, l'Audi, c'est la R8, je crois que c'est la R8 dans iRobot. Et depuis que j'adore iRobot. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent que c'est un navet, mais moi j'aime beaucoup. Et cette bagnole m'a toujours extrêmement impressionné. Et je crois qu'en plus, ils ont fait un genre de prototype en fait fonctionnel pour le film, enfin il est pas fonctionnel, c'est-à-dire qu'il peut pas rouler en tous les sens qu'il veut, mais je crois que ils ont vraiment fait une vraie bagnole comme ça, il me semble. Et j'ai vraiment kiffé iRobot, moi. La Audi RSQ, c'est ça, RSQ, putain, carrément. Ouais, bonne nuit Choubi, merci de passer mec. Ce fut. Donc merci. Merci ta présence. Je pense que je vais faire que une heure de Fallout, juste histoire de me remettre dans le bain, parce que vous inquiétez pas, cette semaine je vais streamer de ouf. Donc il y aura du Fallout, il y aura du GTA, il y aura tout ce qu'il faut. J'espère que vous êtes tous là, vous êtes... Tu m'as fait peur. Bah ta gueule.
ces cadavres-là. Fichez le camp, ou je vous fais manger les pissenlits par la racine. C'est marrant, t'es le même doubleur que le mec dans le bar, connard. Je vois. Mitch m'avait dit que vous étiez complètement... Ah bah oui, non mais oui, lui, il est complètement fou. Hein. Il a toujours été futé. C'est lui qui m'a envoyé. Je suis content de... C'est quoi ? Ils arrivent. Ils arrivent, ouais, c'est ça, combattons ensemble. J'ai pas le temps du... Vite, fabriquez tout ce que... Non, je m'en fous. Non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'installer... Putain, vous voulez vraiment que j'installe des trucs ? Oh, les relous. Bon bah, je vais foutre des... Tu veux qu'on fout des tourelles? On peut foutre des tourelles, hein, ça me dérange pas. Tourelle mitrailleuse, bah ouais. Putain, ça va me coûter des sous, en fait. Enfin, ça va me coûter des ressources de faire tes conneries, là. Ouais, on peut en foutre là. Pourquoi pas, regarde, tac. Je sais pas, moi, là. Hop, et là, voilà. En parlant de caisse du futur dystopique, c'est vrai que dans Demolition Man, quand les caisses se crachent, elles sont remplies de mousse qui devient du polystyrène. Oui, exact, ouais. C'est leur airbag du futur. Alors, c'est bon ? Ah ! Ah bah les voilà ! Et elles font quelque chose mes tourelles quand même ? Ah bah oui ! Ah, y'a plus qu'à attendre ! Oh putain la vache, non, y'a pas qu'à attendre ! Oh putain mon chien ! Ah ouais ! Ah ouais, ça a buté, ça a touché mon chien ! Grenade ! Voilà ! Attends, c'est la merde là, c'est la merde. Je suis pas attentif. Toi, ta gueule, c'est quoi que t'avais comme arme ? Oh, pourquoi je suis. Quoi ? Ah ! Ah, tiens ! Ah, j'avoue que. Ah oui, ah, ça m'a pris par surprise ! Putain, il y avait un légendaire avec un explosif. C'est à ça aussi que tu peux voir que le jeu, il est vraiment, vraiment pas fait du tout. Il a été tellement, tellement bâclé. C'est-à-dire que quand tu commences à augmenter un petit peu, voilà, de niveau, etc., le jeu devient vraiment complètement random dans ce que tu peux faire, dans les dégâts des ennemis, etc. Tu vois, c'est tout éclaté et faut faire avec. Cherchez Oncle Ken, allez, on recommence. Cherchez Oncle Ken. Le brouillard radioactif a fait muter les loups qu'il y a dans les terres sauvages de l'au-delà de Far Harbor, rassemblés en meute féroce à se souffler de sang. Bon, ils sont mimi, regarde les petits pips. Regarde. Bip, bip, bip. Ils sont pas texturés, hein. Ah si, voilà, c'est bon. Oh putain, ce jeu de merde. Bon, sinon, Half-Life Alyx, quand même. C'est pas rien, ça. On est d'accord. Tiens, regarde, on va prendre ça. Y a encore des trucs à fouiller. Tiens, j'ai pas tout fouillé, moi, ici. Ah non, mais c'est lui qui les a butés, ici, je suis pas venu. Ça y est, je commence à devenir complètement taré, je crois. C'est quoi, ça? Ça sert à rien. Excusez-moi. Oh, ta gueule. Oh. Alors, j'avoue que... c'est pas... Ouais, j'avoue, c'est pas forcément... C'est... Alors... Ouais, et ils sont pas contents du coup, là, non ? Non, ils sont pas contents du tout. Bon, attends, je vais recharger parce que du coup, ça m'a niqué tout un truc. Bon, quick save. Il faut que je fasse des quick save. C'est quoi, je vais chercher... Bougez pas, les gars, je reviens tout de suite, je vais me chercher juste à boire. Oh la vache, les gens. Ouh. Ah. Oh, ça nique. Oh la vache. Comme quoi, rester 6 heures assis, bon... C'est qui ce con ? Bah t'es qui ? C'était qui lui ? Malcolm ? C'est qui cet abruti ?
Pourquoi il est venu me parler? Il m'a dit quoi? J'ai pas entendu, j'avais pas mon casque. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Bon, bah, j'ai pas compris, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, il veut pas être important. Alix, un peu rien à faire, j'ai jamais été dans Half-Life, donc voilà. Mais c'est cool pour la VR. Le jeu, il a vraiment cool. C'est... Il y a peu de jeux VR qui m'intéressent. Mais je sais que... si je me prenais un truc VR, j'aurais déjà un petit line-up de choses que je veux, auxquelles je veux jouer. Et je pense que ce jeu-là, il serait, tu vois. Je pense qu'il a l'air vraiment super cool. Par contre, pourquoi je garde ça? Pourquoi je garde ça? Pourquoi je garde ça? Tu m'étonnes que j'étais plein aussi. File-moi du Radix. Non, du Radaway. Voilà. Genre du porn. Ah bah oui, déjà, tout. Je veux tous les simulateurs de porn dans ma VR. Non. J'ai encore pas fait exprès. Je crois que mon PC portable s'est encore allumé tout seul. Il se passe vraiment des trucs de surnaturel ici, mec. Hein. Je vois. Il y a des fois la nuit où je me réveille et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi, mais c'est juste parce que j'ai mes manteaux sur le porte-manteau et on dirait quelqu'un de loin. Et j'avoue que pendant 20 secondes, je panique. C'est quoi ce beau débat? J'ai parole, vite. Et c'est vraiment pas un bon sentiment. Et j'avoue que ça me plaît qu'à moitié. Alors attends, je vais démanteler les trucs. Tiens, ça on s'en bat les couilles, ça on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en fout, ça on s'en fout. Je vais tout niquer, je vais tout te niquer. Hein. Voilà, j'espère qu'on est clair, que vraiment rien n'importe chez toi. Voilà, comme ça on les verra venir de loin. Regarde, ça fait du bois, on est tranquille. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux prendre la maison? Non, je peux pas démanteler la maison. Bon, c'est dommage. Il démonte tout. C'est rien, c'est normal. Hop, voilà. Et comme ça, je peux faire des tourelles un peu partout et elles tireront de loin. Voilà, putain, c'est quand même pas compliqué, putain. Tiens, mitrailleuse lourde, là, dit. Fais une là, et merde, je n'ai plus. Bon, tant pis. Voilà. On va sortir ça et puis on va les attendre. Oh bébé, regarde-le, il fait des petits trucs. Ah. Moi c'est mon PC qui se rallume alors que je sais que je l'ai mis en veille. Et c'est, j'aime pas quand ça fait ça moi. Est-ce que tu crois que c'est le moment de faire du jardinage? Espèce de sale con. C'était une bonne idée de virer les défenses, hein, honnêtement. Regarde. Allez, venez. Il est où? Je vois pas. Ah, il était là. Ah putain, j'ai oublié. C'est vraiment un musée de l'enfer. Ce putain de stream. Putain, je vois rien, ça me saoule. Bah attends, j'y vais. Ça déjà. Ensuite. Il est où? Lui, tiens, mange ta race. Oh bébé, quelqu'un t'a fait du mal. Espèce de malade. Tiens. Il est où? Bon allez, on verra plus tard. Yo, pépère, t'es là, pépère? Oh la vache! Il tire encore plus n'importe comment le vieux là! Il s'est pété la gueule! Ah, il s'est pété la gueule, quel loser! Non, il est où? Putain, je vois que dalle! Attends, je vais aller l'enculer, bouge pas! Il est où le. Attends! Il y avait un ultra là. Il y avait un black block. Il y avait un black block avec une arme, non? C'est pas lui? Non, bah non. Moi je sais pas où il est. Attends, on va buter lui avant. T'es où toi? T'es tout seul, hein? Peut-être commencer à abandonner. Bah voilà, impeccable. Regarde, c'est bon. T'es où, oncle Ken? Ken? Pas mal.
Batman. C'est un brave garçon, et c'est gentil de s'inquiéter pour moi. Mais il faut partir maintenant. Adieu. Avant que vous en attiriez. Ça me la fait pas plus tard que cet après-midi. Je sais que j'ai mis le PC en veille, je reviens pour voir ma tour allumée, j'ai balisé. Mitch m'a demandé de vous ramener à la maison sain et sauf. Mais ouais, des fois ça m'arrive en pleine nuit. J'entends le bruit de Discord. Je me réveille. Je vois que mon PC s'est rallumé tout seul. Et je me dis bon, bah écoute, ça y est, c'est mon... Putain, j'ai encore lâché les caisses. C'est mon moment de claquer. Tant pis, Poltergeist est là, c'est Paranormal Activity, je vais claquer, tant pis. Finalement, je dors bien après, mais j'avoue que... Ouais. Alors attends, faut que j'aille retrouver deux connards en ville pour valider des quêtes. Ça avance. Je me demande si c'est pas une mage Windows qui a fait ça. Si, c'est sûrement ça, mec. Hein. C'est souvent ça, d'ailleurs. Mais je me dirais que, tu vois, Windows serait assez intelligent pour pas toucher à ton PC en veille quand il fait des updates. Mais non, non, non. Windows n'a jamais été intelligent. C'est quoi ce design dégueulasse de gun, là? C'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils ont fait, Bethesda, avec les guns. Ça doit être un des pires gunmakers du monde des gamers. Du gamer world. Eh, avec toi. Eh. Non, je veux pas dormir avec la fille. Voilà. Non, 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 je voulais pas faire ça. Il faut qu'on aille voir le capitaine. Voici votre salaire. Il y a de plus en plus. Ouais, 14 balles. T'avais dit que t'en avais 14 et demi, espèce de salope. Il est où mon demi... Il est où mon demi-caps? On va se refaire. Vous allez voir. Il est où mon demi-caps? Où est mon demi-caps? Ah, le couteau dans la chatte. Il est où mon demi-caps? Oh, oh là. Bertha. Il est où mon... Qu'est-ce que tu fais? Il est où mon demi... mon demi-caps? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Regarde ce pathfinding. N'allez pas voir Bertha. Elle est folle. Vous avez fait une grâce. Ah! Ah! Ah bah si, ils ont réagi quand même. Oh putain, je l'ai éclaté. Attends, elle va aller tac. Hop. Oh, 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 oh. Ok. Ah, l'autre, t'as vu ce jugement de valeur qui m'a sorti, l'autre? Elle est folle, qu'est-ce qu'elle est folle, folle par rapport à qui, folle par rapport à quoi? C'est toi qui es folle. Ça se trouve, j'en sais rien, moi. Home run, ah bah ouais. Le pitch, là. Allez, Bertha, putain, tu vas le bouger, ton cul de loli, là. Sale pute, casse-toi. C'est quoi? Oh, du hareng. Ouais. Bertha. Pardon, madame. On n'a pas le temps de s'occuper de toi, petite. La Syrie des collègues est sans danger maintenant. Au revoir, Shoshana. Ouais. Et ouais. 14 capsules, pas une de moins. Eh, vous étiez d'accord. Vous pouvez plus reculer maintenant. On peut plus rester sur les quais, capitaine. Si vous voulez. Monsieur, oh là là. C'est ça le problème avec Far Harbor, c'est qu'ils se prennent tous la tête pour rien, mec. Il ne suffit pas de chasser le brouillard pour survivre, Bertha. Il faut qu'on reste ensemble. Mais ça marche pas. On oh, salope de hippie aussi. En plus. Les gens d'Arbor ont besoin de leur propre terre. Quelque chose à conserver et protéger. Je me suis trompé sur toi. Pardon? Pas toi. Elle. Bertha connaît mieux cette île que toi, Avril. C'est quoi ces dialogues? Du matériel. Leur défense. Mec, c'est quoi ces dialogues? On pourrait même prospérer, moi je dis. Le Cybertruck, 76 000 balles, on se cotise. Franchement, on pourrait, mec. Pour à peine quelques condenseurs, vous leur donnez une nouvelle raison d'espérer. La vieille, elle a une voix qui va pas du tout avec sa tronche. Non mais mec, il y a eu 4 doubleurs sur Fallout 4, il faut leur pardonner. Donne-leur les condenseurs de brouille. Si c'est ce qu'ils veulent, viens Bert. Vous devez ouais, ouais, ah c'est super. Raconte-moi en plus. Je suis pas patient là ce soir, je pense que je vais continuer encore quelques minutes et je vais couper. Parce que je regarde pas vraiment les dialogues ni rien. Même si c'est pas important, hein, mais... J'ai quand même pas envie de tout niquer. Aider Mitch. Aider les grosses Mitch. Ok. C'est pas beaucoup plus que la Tesla Top Range. Et puis en plus, t'as quand même 3 mètres carrés de, hein, de stockage dans le Cybertruck. Et puis il est blindé. Enfin, tu peux le blinder en plus. Ça fait un moment qu'oncle Ken vit tout seul. Ta gueule. J'ai trouvé l'oncle Ken. Il est toujours vivant. Mais il refuse de revenir. C'est...
Ah, c'est une bonne nouvelle. Dak, t'as envie qu'il claque. Je peux aller le buter si tu veux. Hein. Vous croyez qu'il risque rien ? Moi, ça me pose aucun problème d'aller l'égorger. Hein. Il est plus coriace qu'il en a l'air. Peut-être que d'autres habitants aimeraient retourner vivre dans les terres, comme lui. Peut-être. Mais il est tout seul. Tenez, je... Mitch a perdu sa voix. Laisse-moi tranquille. Je vous dois une... Oh, les doublages, putain. Tu croirais, hein, tu te dirais, pour un jeu de cette magnitude, avec tous ces moyens. Mais non, c'est encore des doubleurs. T'as vraiment l'impression qu'ils ont trouvé dans la rue. Comme pour les films d'exploitation des années 70, quoi. Films d'exploitation français, tu vois ce que je veux dire. C'est... Ça choque, ça marque quand même, hein. Je sais pas ce qu'ils en pensent, les devs de Fallout 4. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait du bon boulot? Est-ce qu'ils ont honte? Et ceux de 76, tu crois qu'ils se disent... qu'ils dorment bien le soir? Ils se disent, ouais... Ça, c'est un bon travail qu'on a fait, ouais. Ils s'endorment en se disant, ah... On a rendu plein de gamers contents. On a fait vraiment un vrai bon jeu, là. Je crois qu'on tient quelque chose. Je sais pas s'ils s'en veulent... Je sais pas s'ils ont mauvaise conscience. J'espère. C'est mon côté sadique qui espère qu'ils ont un peu mauvaise conscience au moins, tu vois. Mais je suis sûr que non. Je suis certain que non. C'est évident que non, en fait. Et allez, ça lâche des caisses encore. Je suis désolé, hein. Je rajoute un peu de brouillard. Ok, bonsoir. Avril. C'est pas mon style de caisse, le Cybertruck, mais je peux comprendre le délire. C'est quoi ton style de caisse, GS71? Dis-nous, Jess, c'est quoi ton style de caisse, qu'on en parle un petit peu? On est entre couilles, là, on peut parler de bagnole. Bagnole, putain. C'est difficile à croire, mais avant que vous n'arriviez, tout espoir semblait perdu. Ouais, maintenant il est enterré, l'espoir. T'inquiète pas, je vais tout niquer. Tout ça, grâce à vous. Que puis-je dire? Vous payez bien? Alors, ce sont des capsules bien dépensées. Putain. Les gens sont tellement obnubilés par leurs propres problèmes qu'ils n'ont même pas réalisé que vous nous avez sauvés. Vous nous avez tous sauvés. Quoi que je fasse, ce ne sera jamais suffisant pour vous remercier. Ah. Prenez ça. Et merci. Si c'est pas de la thune, je te... Qu'est-ce qu'elle m'a filé? Qu'est-ce qu'elle m'a filé? Attends. Attends, je vois pas. Casse-toi, la putain de quête, je vois pas ce qu'elle m'a filé. Ouais, d'accord, tu peux te barrer maintenant. Oh là, merci. Qu'est-ce qu'elle m'a filé? C'est outfit? Rescue diver suit? Bah ouais, mais... Ouais. On voit mon cul, hein. Non, on voit mes cuisses ou pas? On voit mes cuisses? Non, on voit pas mes cuisses, je crois. Remarque, c'est sympa, ça a une bonne gueule, je trouve, hein. Mais bon... Est-ce que j'y tiens? Ça vous plaît ou quoi? Vous préférez qu'on reste avec notre tenue dégueulasse, avec le chapeau tricorne? De toute façon, on le voit quasiment pas, notre perso, mais... Biocuck. Tout dépend, Berlin, Odd Hatch, Hatchback, les SUV, les breaks, ça me fait gerber. Ah, il y a des beaux SUV quand même. Et je dis ça surtout parce que un de mes frères roule en Audi Q7 et l'autre roule justement dans une BM Break. Donc tout ce que t'aimes pas, quoi. Mais il y a des SUV qui sont jolis, il y a des SUV Mercedes qui ont une sacrée gueule. Petit côté mafia que j'aime bien. Après moi les bagnoles j'y connais rien, alors c'est littéralement juste à la gueule que je me fie. Et au bruit aussi, j'aime bien le son. Mais je crois que c'est le truc le plus taureau que j'ai dit cette année, quoi. C'est quoi, ça? C'est où, là? Ça va? Howard? Ouais, il a l'air de bien aller. Le mec, ça fait 3 jours qu'il saigne, regarde. Ah, mais... Je l'ai pas buté? Bon, c'est pas grave. Alors... Faut allumer les condensateurs. Hop. Ça, c'est bon. Le Nissan Cube. L'Audi Q7, mon gars, je suis monté pas mal de fois avec mon frère dans son Audi Q7. T'as l'impression d'être assis dans une énorme péniche, en fait. T'as tellement de place, c'est surhumain, quoi. J'ai rarement été aussi confortable que dans cette bagnole-là. J'aime bien le nouveau Ford Puma qui va sortir. Putain,
Je savais pas qu'il y avait des gens qui guettaient les sorties de bagnole. Encore guetter les sorties de jeux vidéo. Ou de livres, ou de films. D'accord, parce que ça te coûte entre 10 et 70 balles. Mais les sorties de bagnole... Ça, j'avoue, franchement, respect à tout le monde, quoi. Ah. Ouais, bonjour. Haha, les péniches. Voilà. Les grosses péniches. Hop, on va aller rendre ça. Ils en ont fait de la pub partout. Ouais, mais c'est pas dans les cercles que je regarde, Jay. Parce que j'ai pas la télé. Et moi, sur Twitter, déjà, là, en ce moment... J'en ai marre. Là, en ce moment, sur Twitter, c'est 75% de Hideo Kojima. Et le reste, c'est juste des jeux vidéo. Donc, j'ai pas de source d'information de bagnole, en fait. Et à part quand on mate le foot avec Momo et qu'il y a des pubs de bagnole, quand on mate le football américain et qu'il y a des pubs de bagnole américaine et qu'on a, je crois qu'on a vu la dernière fois la nouvelle Ford. Ah bah c'était ça en fait, c'était la Ford Puma, il me semble. Bah du si, ouais, je crois que du coup je l'ai vu. Enfin on l'a vu en boucle en plus. Quand on matait le match des Saints. Sans un, vous ferez pas de vieux os, achetez les miennes. Putain, ta promo, mec, elle est éclatée. Des condenseurs de brouillard en marche. Et des memes. Bizarrement, j'ai pas beaucoup de memes sur... sur Twitter. Parfait. J'en ai... Les rares memes que je vois sur mon Twitter, c'est ceux qui sont retweetés ou likés par Zelking ou WAP. Et sinon... L'intercepteur de Mad Max est cool aussi. Ah bah oui, évidemment. Ouais, il a été dévoré. Horrible, horrible. Une affaire horrible. Bref. Je crois que je l'ai un peu décapité à coup de fusil antimatériel aussi. Capitaine, personne ne voudra vous aider si vous n'offrez pas une récompense qui en vaut la peine. J'ai l'air d'une rentière. Oh, connard, ça va, prends-le autrement, là. Je dois... Funérailles. D'où tu veux faire des funérailles? Ouh, ici, ça sent le poisson. Et tu vas l'enterrer dans les surimi, je t'emmerde, moi. Bon, bah, du coup, ça s'est fait. Qu'est-ce qu'il faut que je foute? J'ai pas d'autre quête ici? Si, il fallait trouver du whisky à Long Dick Johnson. Et Brooks, quand je me sens un peu à plat, j'achète quelque chose. Je m'en bats les couilles, je veux juste parler. Putain, sa main supporte ça. Ah, pas de près. Ok, whisky, une bouteille de whisky. Attends, c'est dans quoi? C'est dans... Ça? Vim? Non, c'est dans soin? Whisky! Voilà! Mais merde! Brooks? Hey, vous cherchez les bonnes affaires? Alors attention à ce que vous dites. Hop! Non, on fait affaire, Brooks! Oh putain! C'est vraiment un des jeux les moins pratiques du monde. Whisky, tac, voilà! Du coup, le 608, l'intérieur, c'est un vrai intérieur de voiture du futur Ford. Peugeot 508 intérieur. Faut voir. Ouais. Ouais, y a pas mal d'écran, quoi. Si, ouais, si, j'avoue. Y a un ATH ou pas? Moi, je suis toujours très impressionné par les bagnoles qui ont un ATH qui est affiché sur le pare-brise. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et j'avoue que j'aime bien, c'est kéké, hein, mais j'avoue que je suis très fan des ATH en général. Et je trouve qu'avoir un ATH sur sa bagnole, c'est ouf, je crois que oui, putain, ça c'est classe. Cette bagnole que j'ai vue à la télé dans laquelle je suis monté, c'est une Mustang GT, vache. Pardon. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il est épais. Je m'en fous, prends ton whisky et ferme ta gueule. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il est épais. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il est épais. Il est complètement con ou quoi? Je l'ai pas mon whisky? J'ai 6 bouteilles. Qu'est-ce que tu fous? Attends. Je crois qu'il est déjà bourré en fait. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard. Putain, Longfellow, prends là ta bouteille. Il y a plein de mais je m'en fous. Il y a plein de trucs pas nets. Putain, mais si, je suis très net. T'es fait.
prends-les tes bouteilles. Longue vélo. Bois. C'est bon. Je t'en supplie. Prends-la. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard. Putain. Il est pété. Ah mais il est là, Mitch. Non, fallait que je parle à Mitch, en fait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voyons ce que vous... Alors on va vous donner... Bien. Faut que j'achète du whisky à lui pour le filer à Longfellow. Pardon. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il est épais. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il est épais. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard. C'est catastrophique. Peut-être que ça va raiser un petit peu son truc. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il... Mais mec, c'est pas possible. Y a plein de trucs pas nets. Attends, je vais essayer de passer. C'est quoi? Je vais essayer de passer une journée. Genre, je vais me barrer. Je vais dormir sur un truc et je vais essayer de passer un petit peu de temps parce que là, il y a carrément quelque chose qui va pas là. J'ai du whisky sur WAM, mais ça marche pas et je vois pas pourquoi. Mets-lui un coup de Hoffman pour le reset. Ah, déjà, je lui ai mis 3 balles de Spider dans la gueule, alors... Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il est épais. Il y a plein de trucs pas nets dans le brouillard quand il est épais. Allez, on va dormir sur une chaise en plastique dehors. Je reviens, j'essaie de faire ça et ensuite je couperai, d'accord? Ça vous dit? J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cette petite soirée. On a fait plein de trucs. On a fait du Curse of the Dead God, on a fait du Forbidden Siren, on a fait du Faith et on a fait du Fallout 4. On a fait littéralement tout. On a fait de l'indie, on a fait de l'horreur, on a fait du japonais, du français, de l'américain. On a fait plein de trucs. C'était cool, c'était une bonne soirée, je trouve. On a bien rigolé. Et en plus, on a mis en place des proutes. Et ça, les proutes, c'est rigolo. Hop. Peut-être qu'il faut attendre genre 10h du mat, sinon ils picolent pas avant. Faut voir. Ça se trouve, il a une morale. Vieux Longfellow, c'est ce qu'il fait. T'es sûr? Parce que d'ici, franchement, on dirait pas, mais... On a su ses focus, et ça, c'est le plus important. Ah bah oui, mais attends. C'est important aussi. C'était œuf, jambon, fromage. Pardon? Il y a plein de trucs je vais te... dans le brouillard quand il est épais. Bon, et bah écoutez les gars, j'ai l'impression que Longfellow en a ras le cul de moi. va falloir que je vois un petit peu comment je vais faire ça. Tu sais quoi? Avant de partir, on va retourner à la maison. À la maison dans notre camp. Et on va déposer le trois trucs dans notre caisse. Voir un petit peu ce qu'on a de nouveau. Et mettre un tableau ou deux, d'accord, ok? Don't do it! I'm a virgin! Don't do it! Putain, et le fait qu'il charge pendant 8 ans aussi, quoi. Faut vraiment être passionné pour y jouer, hein. C'est un jeu que j'aime même pas. Mais les mods le rendent tellement rigolo que je continue à y jouer, mais j'avoue que ça reste quand même une épreuve à chaque fois, hein. Ok, alors voyons voir. Carte, tac, on retourne au Commonwealth. Les Lofus se dissimulent pour attendre leur proie, leur appât luisant imite l'apparence d'une fleur très répandue sur l'île. Waouh, c'est quand même bien fait. Hein. C'est quand même intelligent. Je me suis pas fait spoiler, à la fin, le vieux qui est un vierge, il la nique la meuf ou pas? Bah, il se fait sucer, je crois. Il me semble qu'il se fait sucer par la meuf et c'est plus ou moins tout. Hein. Red Rocket, yes. J'ai pas vu le tome 2. T'as vu que la préquelle. Virginity is unbreakable. I'm a virgin. Ok, allez, on retourne à la maison. We're going home, boys. We're going home. Don't worry.
Faudrait que je vois combien j'ai d'heures de gameplay d'ailleurs sur Fallout 4. Ça se trouve, je dois être à un nombre bien élevé avec les conneries que je fais. Don't do it. I'm a virgin. Don't do it. Ok, no commies. Ah, ça me manquait ici, putain. Oh, c'est toujours aussi beau, hein. Y'a pas à dire. Y'a pas à dire, c'est toujours un bébé. C'est toujours aussi beau ici, hein. Ah. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. Tu l'avais vu, Spider, ça? Est-ce que tu l'avais vu, Spider? On fait des grosses bulles. Hey, tu l'avais pas vu, ça, mec? Évidemment. Évidemment que tu l'avais pas vu. Ah, merde. Voyons voir, on va foutre un autre petit tableau. Qu'est-ce qu'on avait comme autre tableau? Du coup, un des derniers, c'était Spider. Décoration murale, les tableaux. Devant les tableaux du douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Vas-y, je vais foutre Angelina Jolie. Je vais mettre Angelina Jolie sur mon mur. Je vais la foutre ici. Putain, le tableau, il est gigantesque en plus. Attends. Je pourrais pas le foutre plutôt là, il est bien là. Hop, Angelina Jolie, c'est parfait. On va foutre celui-là, tiens. On va le foutre là. Où est-ce que je peux le mettre? Là, impeccable, regarde. Ici, attends. Là, attends. Bim, voilà, impeccable. Fous le tableau direct sur ton Gundam pour troubler les ennemis. C'est pas con ça, tiens, je vais foutre celui-là. Assuming direct control. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas fait beaucoup de Fallout, mais c'était histoire de me remettre dedans. De toute façon, pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver d'autres modes, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas... Putain, c'est vrai que ça repop les sacs à viande, les bottles caves, complètement con. Pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver d'autres modes. Ça fait un moment qu'on n'a pas... Je viens d'écraser mon chien. De trouver d'autres modes. Je viens d'acheter une caisse aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît toujours de voir un petit peu de Fallout. Et ouais, la prochaine fois, on essaiera de trouver de nouveaux trucs. D'accord, ça vous dit? Le jambi plus manteau, il me détruit à chaque fois. Moi, je crois que c'est vraiment mon préféré. C'est mon tableau préféré, lui. On voit sa kikette d'ici? Non, j'ai bien fait, quand même. Il faut plus d'images pour les tableaux? Ouais, si vous voulez... Enfin non, si vous voulez pas, on essaiera de trouver ça. Non, ce sera une surprise. Nous envoyez rien, ce sera une surprise. Et oubliez pas, si jamais il y a des jeux que vous voulez absolument voir streamer et qui seraient, selon vous, qui feraient de bons streams, oubliez pas les doléances. Et ouais, il y aura un truc aussi que je vous expliquerai après Vice City pour GTA 4, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Mais on verra ça. Bref, je vais me foutre à l'abri ici, tac. La pluie tombe même pas, c'est quand même bien fait, on est bien, on est au sec là. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis, well boy, on est dans le cadre. Et je vous dis à plus, le prochain stream, je pense que ça va être lundi. Je vais essayer de streamer lundi pour finir Vice City, puis j'ai plein de trucs à vous montrer du coup, en plus d'Urban Chaos. Donc voilà. Gros bisous à tous, passez une bonne fin de soirée. Oui, dimanche, il y aura le Forcecast bien sûr, mais lundi en tout cas, où je ferai un vrai stream tout seul quoi. Bisous les gars, à plus et dans mes biens, ciao.